Le rodateur se présente sous la forme d'un boîtier. Il comporte ici une vignette de conformité du contrôle de l'appareil. Ici, une vignette d'actualisation des tarifs parisiens. Ici, le numéro de série de l'appareil. Pour mettre en route le rodateur, vous appuyez sur un bouton. Apparaît alors hors service. Ensuite, vous allez chercher le rodateur en appuyant sur le 3, en laissant appuyer jusqu'à faire apparaître Oro. Je laisse appuyer, gestion, conformité, au rodateur. Je lâche. Je tape 1 pour faire une demande de service et 3 pour dire oui. J'ai fini mon service à 1h22. Je l'ai commencé 11 heures plus tôt, c'est-à-dire à 13h22. Et mon prochain service possible sera 6 heures plus tard, c'est-à-dire à 7h22. Je suis maintenant en présence non plus de l'horodateur, mais de l'horokilométrique. Il affiche libre et le lumineux est illuminé en vert. Fonctionnement de l'horokilométrique. L'horokilométrique affiche libre. Le lumineux est alors éclairé en vert. Dès que vous chargez un client, vous pressez sur le bouton numéro 1. Apparaît de 50 euros, montant de la prise en charge, et le tarif A. Pour changer de tarif, pressez à nouveau le bouton numéro 1. Tarif B, vous pressez tarif C, vous pressez tarif A. Dès que le client est arrivé à destination, il suffit de presser le bouton numéro 4. Apparaît alors à payer 6,60, montant de la course minimum. Pour une course avec supplément, pour recommencer l'opération, tarif A, prise en charge de 50. Les suppléments se trouvent sur le bouton numéro 2. Si vous pressez, apparaît 1, montant du bagage supplémentaire, ou 3, montant de la prise en charge d'une quatrième personne. Vous choisissez 1 ou 3. Si vous choisissez 1, montant du bagage, vous confirmez autant de fois que c'est nécessaire sur le bouton numéro 3. Là, 4 bagages, 5 bagages. Si vous voulez ajouter une quatrième personne, vous allez chercher sur le bouton numéro 2 la quatrième personne. Apparaît alors 3 euros. Vous confirmez sur le troisième bouton. 5 bagages plus une quatrième personne, 8 euros. Le total, vous pressez sur le bouton numéro 4. 2,80 de course, 8 euros de supplément. Vous pressez à nouveau le bouton numéro 4, apparaît le à payer. 10,80 le total général.